Shavua Tov à toutes et à tous. Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on va étudier une histoire de Rabbi Nachman. Cette histoire, ce récit qu'on va étudier, il n'est pas compté dans les 13 contes de Rabbi Nachman. Mais il fait partie des paraboles, des nombreuses paraboles que Rabbi Nachman il a écrit. Et donc, son origine se trouve dans le livre Kochavé Or de Rav Abraham ben Rav Nachman, dans l'endroit qui s'appelle Récits et Paraboles. Et je vous demande, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, c'est une étude qu'on va faire. On va d'abord lire l'histoire, et ensuite, on va avoir une explication qui est tirée une explication du Rav Besançon. Il a écrit un livre en hébreu, malheureusement il n'a pas été en français, mais on va traduire le maximum qu'on pourra, mais c'est un message fulgurant et très très fort qui j'espère va nous donner une grande grande force. Alors on va commencer l'histoire. Et regardez, il faut bien écouter, je vais vous dire pourquoi, parce que il faut savoir que dans les histoires, dans l'enseignement de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, il a demandé d'être très scrupuleux dans la mesure que quand on étudie ou même quand on lit une histoire, chaque élément a une grande valeur et il faut l'étudier comme dans un texte, comme par exemple quand on étudierait la Bible ou le Talmud, c'est-à-dire chaque virgule, chaque chose, elle a une valeur, elle a un enseignement. Donc, il faut bien écouter. Et on va développer avec l'aide de Dieu qu'on puisse sortir avec des forces. Alors, il était une fois un pauvre qui gagnait sa vie en creusant de l'argile, de la boue. D'accord? Son boulot, c'était de prendre la boue, de la mettre dans une brouette et de vendre cette boue-là qui ramassait. Et donc, un jour, alors qu'il creusait, il trouva à l'endroit où il travaillait une pierre précieuse dont la valeur était immense. Mais il ne connaissait pas la valeur de cette pierre. Et donc il se rendit chez un expert pour évaluer la pierre. Celui-ci lui répondit qu'il n'y avait personne dans le pays qui puisse en payer le prix et qu'il devrait aller à Londres, la ville royale, pour la vendre. Parce que là-bas, il pourrait la négocier, d'accord? Dans l'endroit où il se trouvait, elle avait tellement une grande valeur, cette pierre. Donc l'expert lui a dit, il n'y a personne qui va pouvoir, tu pourras pas la négocier, cette pierre. Va à Londres, et il n'y a que là-bas que tu pourras en recevoir la valeur de ce diamant, qui était immense. Mais cet homme était pauvre. Et il n'avait pas d'argent pour entreprendre un tel voyage. Il vendit tout ce qu'il possédait et fit le tour des maisons pour demander la charité, jusqu'à ce qu'il rassemble suffisamment d'argent pour arriver jusqu'à la mer. Il souhaitait monter à bord du bateau, donc il avait un bateau qui partait à Londres, mais il n'avait pas assez d'argent. Donc ce qu'il a fait, c'est que tout ce qu'il a fait pour ramasser le peu d'argent qu'il a réussi à réunir, c'était juste pour aller de chez lui jusqu'au port, jusqu'à la mer. Mais pour monter sur le bateau, il n'avait pas assez d'argent. Donc il est parti voir le capitaine et il lui montra la pierre précieuse. Et le capitaine l'accueillit aussitôt à bord avec un grand honneur. Il lui dit, toi, tu es un homme très important. Il lui donna une cabine de première classe, avec tous les plaisirs et délices réservés aux riches négociants. Et cette cabine, elle avait une fenêtre qui donnait sur la mer. Et ce pauvre-là, il aimait à s'émerveiller de la pierre précieuse, surtout pendant les repas, car la joie et l'élargissement du cœur favorisent une bonne digestion et la santé. Quand une personne, elle a un bonheur, elle est joyeuse, alors il va prendre plaisir quand il va manger, et sa digestion, elle va bien se passer. Donc il mettait ce diamant devant lui pour se délecter de joie. Un jour,
Alors qu'il était à table, il posa la pierre précieuse sur la table pour en jouir. Puis, il s'endormit. Pendant ce temps, le serviteur vint prendre la nappe et les miettes, sans savoir que la pierre précieuse y était. Il jeta le tout à la mer. Par la fenêtre, il la jetait, puisqu'il avait une cabine qui donnait sur la mer. Quand il se réveilla et réalisa ce qui s'était passé, il ressentit une douleur immense, au point de presque perdre la raison. Il a failli devenir fou. Que pouvait-il faire? Le capitaine était un homme qui était cupide, il était intéressé, calculateur. C'était un rapace, ce capitaine. Prêt à le tuer pour le prix du voyage, s'il savait que la pierre avait disparu. Il se força donc à rester joyeux, comme s'il n'était au courant de rien. Le capitaine avait l'habitude de parler avec lui quelques heures chaque jour, et ce jour-là ne fit pas exception. L'homme se montra joyeux comme d'habitude, si bien que le capitaine ne remarqua rien. Le capitaine lui dit « Je sais que tu es un homme sage et honnête. Je veux acheter une grande quantité de blé pour la vendre à Londres et faire un bon profit. Mais j'ai peur que l'on dise que je vole les réserves du roi. C'est pourquoi je souhaite faire l'achat en ton nom et je te paierai en conséquence. » L'homme trouva l'idée bonne et accepta. Dès qu'ils arrivèrent à Londres, le capitaine mourut. Et toute la cargaison resta en possession de cet homme. La valeur de ce qu'il possédait désormais était bien plus grande que celle du diamant qu'il avait perdu. Donc pour conclure, Rabbi Nachman, il dit, le diamant n'était pas vraiment à lui. La preuve, il l'a perdu. Ça c'est la preuve qu'il n'était pas à lui puisqu'il a perdu ce diamant. Il est tombé dans la mer ce diamant, donc ce n'était pas à lui. Mais le blé était vraiment à lui. La preuve, il est resté en sa possession. Et Rabbi Nachman, il ajoute, ce à quoi il est parvenu, ce n'est que parce qu'il s'est efforcé de tenir bon. Pourquoi il a reçu ce bateau qui était bien plus que la valeur du diamant? C'est parce qu'il a tenu bon. Bon, cette histoire, on l'a traduite mot par mot. Et maintenant, on va commencer à rentrer dans l'explication, une explication du Rav Besançon. Il a écrit un livre là-dessus et j'ai pris quelques passages parce que c'est très long et voilà. Donc, avec votre permission, on va maintenant proposer une interprétation possible de ce récit afin d'en tirer une leçon bénéfique, une nouvelle force pour nos propres défis. Et donc, cette interprétation, elle repose sur un lien avec l'enseignement dans le Likutei Moharan, dans l'œuvre de Rabbi Nachman, l'enseignement 25. Donc, si vous voulez, toute l'histoire, toute l'explication qui va être dite ce soir, elle va être en parallèle de cet enseignement 25. Je vous invite, on va en parler très 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 brièvement parce que c'est un enseignement très profond et assez long et on ne peut pas maintenant le dire. Mais on va prendre des éléments de cet enseignement 25, celui qui veut aller voir, il a qu'à aller dans le Likutei Moharan et lire de quoi il s'agit là-bas. Mais on va prendre un passage le plus important à notre propos. Alors Rabbi Nachman dit dans ce passage, dans l'enseignement 25, je vais traduire, et c'est ici que beaucoup de chassidim se trompent. Il leur semble tout à coup qu'ils sont tombés dans leur service divin.
Il dit Rabbi Nachman, mais en réalité, il ne s'agit pas d'une chute du tout. C'est simplement qu'il faut s'élever de niveau en niveau. Alors, de nouvelles épreuves et difficultés apparaissent, telles que les désirs, les confusions, les illusions, les pensées et les obstacles. C'est pourquoi il faut à chaque fois se renforcer de nouveau pour vaincre et briser les écorces et les obstacles, à chaque étape et à chaque niveau. Mais en vérité, il ne s'agit pas d'une chute comme on l'a mentionné plus haut. Donc, je vais reprendre un petit passage de cet enseignement 25 pour que vous compreniez dans les grandes lignes. C'est difficile de rentrer dans les détails, mais que vous puissiez comprendre après de quoi on va parler. Rabbi Nachman, il dit que, en fait, que l'homme, il est amené à avancer. Il peut pas, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, on le pousse vers l'avant. Et donc, il se retrouve devant des défis. La chose, c'est que dès qu'il doit monter, et donc à chaque fois, il doit monter de degré en degré. Mais le problème, c'est que dès qu'il va atteindre, il est arrivé à un certain degré, donc il doit passer au degré suivant. Mais dès qu'il va accéder, il va commencer à monter au degré suivant, il va être obligé de rencontrer des obstacles, des confusions, des illusions, des désirs, pensant qu'il s'en était débarrassé puisqu'il est arrivé à un certain degré. Donc il pense qu'il est en train de revenir en arrière. Et donc Rabbi Nachman nous dit en fait, ça c'est une chose, c'est pas du tout une chute. Alors maintenant il y a une question qui se pose pour celui qui médite sur ces paroles. Et cette question elle est la suivante. Rabbi Nachman, il nous dit, ce n'est pas une chute du tout. Maintenant, comment on peut nier la réalité des descentes et des chutes? Il est bien connu que lorsqu'une personne, elle glisse, elle tombe, et fait ce qu'elle fait, elle en est responsable. Et si elle n'a pas pris suffisamment de précautions, alors le jugement, il sera en conséquence, parce que le monde entier, il a été créé pour le libre arbitre. On a un libre arbitre, où on veut, où on fait, où on fait pas. Et donc, d'où découle ce libre arbitre, d'où découle toutes les notions de récompense et de punition. Donc, cette question qu'on a posée maintenant, elle trouve une réponse claire lorsque nous réfléchissons au sujet du diamant, et qu'on va étudier ce sujet du diamant de l'histoire qu'on a raconté à la lumière de l'enseignement 25. Et ça va nous permettre, ça va nous aider à comprendre l'allégorie, la métaphore et les paroles des sages avec l'aide de Dieu. Donc il faut savoir que dans la vie, les amis, il y a des périodes où l'homme, il est plongé dans une petitesse extrême, et où il se retrouve littéralement enlisé dans la boue. Maintenant, on va commencer à revenir un peu dans l'histoire. Rappelez-vous de quoi se nourrissait ce pauvre dans l'histoire. Il creusait, il vendait des brouettes de boue, d'accord? C'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Donc, ça fait référence à une petitesse extrême. C'est des périodes dans la vie où l'homme, il est plongé dans cette extrême petitesse. Et il se retrouve littéralement enlisé dans la boue. Parce que c'est là-bas, dans cette boue-là, que se trouve sa vitalité et la subsistance de son âme qui est abaissée. Comme on le sait. Chacun, il sait que des fois, une personne, elle peut descendre et que finalement, elle se complaît dans la tristesse, des fois dans des mauvaises actions et elle descend, elle chute, etc. Et c'est là-bas où elle se ressource, ça veut dire qu'elle reçoit sa vitalité là-bas. Celui qui est dans un tel état a tendance à se complaire dans des choses qui sont basses. Maintenant, il faut savoir que si on prend le thème de l'argile, de la boue, en fait, c'est une combinaison entre l'eau,
et la terre. Si vous prenez de l'eau et de la terre et que vous mélangez l'eau et la terre, alors vous allez faire de la boue. C'est ce qui représente dans l'âme humaine les désirs et la tristesse. C'est-à-dire la saleté et le désespoir ensemble. C'est-à-dire qu'une personne, elle tombe, elle n'est pas propre et en même temps, elle est désespérée. Donc c'est ces deux éléments-là qu'on met ensemble, c'est ça la boue. C'est-à-dire quand une personne dit je suis tombé dans la boue, ou alors c'est ça que ça veut dire. Et c'est pour cela qu'on l'appelle alors un pauvre. Pourquoi dans l'histoire on appelle cet homme un pauvre? Parce que qu'est-ce que c'est un vrai pauvre? C'est celui qui manque de conscience. C'est-à-dire qu'une personne qui est tombée et que il a trébuché, c'est tout simplement, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est qu'il y a un vent de folie qui est venu le traverser, et donc il s'est retrouvé, il a perdu complètement sa conscience. Et quelqu'un qui n'a pas de conscience, il s'appelle un pauvre. Cependant, il arrive parfois, par la compassion de Dieu envers cette personne, que ce pauvre-là, il tombe sur une étincelle de raison. Donc c'est cette pierre dont on a parlé, une raison sacrée qui se trouve là, qui soit grande ou petite, selon la situation. En fait, c'est la splendeur d'une pierre précieuse. Et alors, grâce à la lumière de cette pierre qui est merveilleuse, il a une grande illumination qui lui vient de la grandeur du Créateur. C'est quelque chose que nous tous, on a, chacun de nous, dans sa vie, on a ressenti ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a des fois où on était dans un état qui n'était pas très reluisant et on a reçu une conscience, une lumière, d'accord, comme une pierre précieuse, et on a reçu une conscience de la grandeur de Dieu, du Créateur, et de la puissance de sa compassion. Combien Dieu, il nous aimait, il avait de la compassion envers nous. Et cette compassion, elle va s'étendre jusqu'à dans la boue, dans les endroits les plus bas où il se trouve. Et qui va l'arracher ainsi, un instant, à sa conscience qui était abaissée. Il va lui montrer un avenir prometteur et un avenir plein de possibilités. C'est-à-dire que maintenant, la personne, c'est vrai qu'elle était dans un état X, mais elle va commencer à voir une visibilité. Elle va commencer à sentir qu'elle peut s'en sortir. Ça s'appelle un diamant, une conscience. Et donc, dans ce récit que Rabbi Nachman nous raconte, apparemment, il s'agit d'un grand diamant, d'une immense étincelle et d'une opportunité qui ne se présente peut-être qu'une ou deux fois dans toute une vie. Et donc, il ne faut absolument pas la laisser passer. Et donc, si ce pauvre-là y croit en sa chance et s'y accroche, alors il va chercher un expert. On a dit tout à l'heure qu'il a cherché un expert. Quand il est tombé sur ce diamant-là, il est parti chercher un expert pour savoir combien que le diamant, quelle était sa valeur, pour évaluer sa situation. En fait, dans le texte original, Rabbi Nachman, il parle d'expert. Expert en hébreu, ça s'appelle ouman. D'accord? Un ouman, c'est un expert. Et donc, ça fait clairement allusion à la ville d'Ouman, où se trouve la tombe de Rabbi Nachman, et où c'est un lieu où toutes les pertes sont retrouvées. D'accord? Ça veut dire pourquoi on vient ici dans cet endroit qui s'appelle Ouman? C'est parce qu'on a perdu, on a eu des pertes, et que maintenant on vient les chercher, les pertes que notre âme elle a perdues, et que ces pertes-là, elles vont s'élever comme un diamant précieux. Et ça va être évalué par le grand maître qui réside ici à Ouman. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'allusions dans cette histoire. Et donc l'expert, à son tour, il va l'envoyer. Où c'est qu'il l'a envoyé? Il a dit, moi je peux pas, il l'a envoyé à Londres. En fait, si on prend la valeur numérique de Londres, on va voir que c'est 148, qui est aussi la même
la même valeur numérique que le nom Nachman. Tout ça, c'est des allusions. C'est-à-dire que si il était dans le monde le plus bas, alors celui qu'on appelle le monde de l'action, alors maintenant sa destination, elle sera de s'élever pour atteindre la ville royale. On voit que sa destinée, parce qu'il allait d'après son intuition, parce qu'il a reçu une étincelle très très grande, il a commencé à se diriger. Il aurait pu laisser tomber et dire bon, on va voir plus tard, on va expliquer plus tard, mais en tout cas, hein, ce qu'on voit, c'est que il est destiné, sa destination, elle est de s'élever vers la ville royale. Et donc, pour obtenir ce nouveau niveau, rappelez-vous ce qu'on a dit dans l'enseignement 25, il faut passer d'un niveau à un autre. Alors, il faut passer d'une épreuve, dès qu'on va passer à un niveau supérieur, alors il faut passer une épreuve en parallèle. C'est pas possible de gravir un échelon sans passer encore par une épreuve. Parce que il est certain que des obstacles, des illusions, des pensées et des confusions, ils vont se manifester. Donc à ce moment-là, il faut faire preuve de grands efforts pour les surmonter. Mais l'essentiel à ce moment-là, c'est de croire en sa vision, de s'y accrocher de toutes ses forces et de ne jamais s'en détourner et s'y accrocher de toutes ses forces sans jamais lâcher prise. C'est ça la condition. Parce que n'oubliez pas qu'il a reçu une étincelle. Il a reçu une grande étincelle, mais maintenant, il va passer par toutes sortes de confusions, d'épreuves, etc. Et à ce moment-là, il ne faut pas qu'il oublie cette étincelle. Il faut qu'il continue à s'accrocher et de ne pas lâcher prise. C'est donc précisément ce que le héros de l'histoire, il a fait. Avant tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout ce qu'il possédait. Il a sacrifié son maigre bien-être, d'accord, pour réaliser son rêve et financer son voyage. Il faut noter une chose, qu'à ce stade, bien que l'homme soit théoriquement devenu extrêmement riche, tout reste encore en puissance seulement. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est bien beau, mais maintenant, un diamant, à moins de le brader, d'accord? Et même si le brade, c'est pas, on peut lui donner de quelques sous pour son diamant, mais pour pouvoir le négocier, pour l'instant, il est potentiellement riche, mais il peut rien faire avec parce que la preuve, c'est que quand il est monté sur le bateau, il est monté sans argent, il est monté avec son diamant. Et le capitaine, il a vu, il a dit, oh, ça c'est quelqu'un d'important. Il l'a laissé monter, mais il l'a pas fait payer son billet. Mais tout ça, c'est du potentiel. Il n'est pas encore riche. Au contraire, non seulement il n'a pas de quoi acheter un billet pour Londres, mais il n'a même pas de quoi acheter un morceau de pain. Il n'a rien. Car il a dû vendre tous ses biens modestes, ses possessions, et elles ont été vendues et abandonnées pour financer ce projet. Si on voit maintenant d'un point de vue logique, d'un point de vue étroit, alors, cette chose-là qui s'est passée, il était quand même, ok, il est sorti de chez lui, il avait un travail, même si c'était un pauvre, mais il avait ses repères, comme on dit. Il a tout laissé. Et si on voit d'un point de vue logique et restreint, eh bien, on peut considérer que cette situation qu'il est en train de vivre maintenant, c'est véritablement une descente, une chute. Mais il faut savoir que ce pauvre, notre ami dans l'histoire, il était inspiré. Il n'a pas prêté attention à tout ça. Il a seulement persisté et continué. Maintenant, on va expliquer une notion très importante qui s'appelle la descente et la chute. Quelle est la différence entre une descente et une chute? Une descente en hébreu, ça s'appelle une yérida. Et une chute, ça s'appelle une néphila. C'est pas du tout la même chose. En fait, si vous voulez une descente,
C'est un mouvement qui est du haut vers le bas. On descend. Et ça indique principalement une direction, bien entendu, sans être un état statique, puisqu'on descend. Et une chute, c'est en fait l'état final atteint par celui qui est descendu, qui a amorcé cette descente. À la fin, quand il descend tout, qu'il termine sa descente, alors ça s'appelle une chute. C'est en quelque sorte le terme de sa descente. C'est-à-dire qu'il finit sa descente. Donc ça s'appelle, en fait, quand il a terminé sa descente, ça s'appelle qu'il a chuté. Et donc la plupart du temps, ce qui se passe ensuite, c'est que celui qui est tombé, il se ressaisit et commence à remonter. Par conséquent, que ça veut dire? Ce n'est pas une chute, mais plutôt un signe évident du début d'une ascension. En général, même qu'on le veuille ou pas, quand une personne, comme on dit, elle se casse la figure, alors après, inévitablement, elle est obligée de remonter, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que maintenant, la fin de sa chute, c'est le début de son ascension. Et donc, de cette manière, il a réussi à surmonter la première épreuve. C'est-à-dire de... C'est quoi sa première épreuve? C'est qu'il aurait pu vendre le diamant à l'expert et lui dire, donne-moi ce que tu veux. Tout est profit, d'accord? Donne-moi ce que tu veux. Donne-moi, voilà, prends le diamant et donne-moi ce que tu veux. Mais il n'a pas renoncé à viser le maximum. Il a poursuivi son chemin jusqu'à que ses efforts puissent le mener. Et donc, il s'est rendu jusqu'à la mer, qui pour lui représente la fin du monde. Et symboliquement, ça fait allusion à la sagesse. La Rabbi Nachman, il parle beaucoup de Yam HaChochma, la mer de la sagesse. C'est-à-dire que la mer, ça représente la sagesse. Et en vérité, qu'il est en train de maintenant de commencer à élever son intellect, sa raison. Parce que dans cet enseignement 25, Rabbi Nachman, il parle de sortir de son imagination et de s'élever vers la raison. D'accord? Donc là, quand il part à la mer, qui se retrouve à la mer, c'est-à-dire juste pour aller prendre le bateau, il est parti au bout de ce qu'il pouvait aller, c'est-à-dire qu'il va élever son intellect, sa raison, comme c'est expliqué dans l'enseignement 25 dans l'Ikoutei Moran. En fait, dans le langage de la Torah 25, il a atteint l'extériorité du prochain niveau. C'est-à-dire que maintenant, il est dans un niveau, il monte, et maintenant, il est à l'extérieur du prochain niveau, de la prochaine étape où il doit arriver. Donc, d'une manière imagée, qu'est-ce que ça veut dire? Il est entré dans le couloir du prochain palais. D'accord? Chaque niveau, c'est un palais, et maintenant, comme il est à l'extérieur du prochain niveau, ça veut dire c'est le couloir qui l'amène au prochain palais. Mais grâce à sa ténacité, alors il rencontre alors le capitaine. Le capitaine qui symbolise un esprit, capitaine c'est quelque chose de, c'est un titre, il symbolise un esprit élargi, un état de grande conscience. Si on prend le mot capitaine, ça vient du latin qui signifie la tête. Le chef. Donc on voit qu'il est monté dans un niveau de conscience élevé. Bien que du côté de l'écorce, de la coquille, c'est-à-dire, parce que en vérité, ce capitaine-là, c'était un brigand, c'était quelqu'un de méchant. Mais autrement dit, il a rencontré, en fait, la manifestation de l'imagination créatrice, c'est-à-dire qu'en vérité, s'il s'est arrêté, il a vu finalement un bandit. Mais en vérité, il avait le titre de capitaine, c'est-à-dire qu'il était en train de, il était obligé de passer par toute cette écorce pour arriver à un état plus grand, c'est-à-dire à s'élever vers la raison qui appartient à l'étape suivante. Alors à ce moment-là, il comprend alors qu'il est digne de lui révéler son esprit intérieur, c'est-à-dire qui le capitaine, c'est quoi son esprit à l'intérieur de cet homme?
C'est en vérité qui va lui révéler, qui est symbolisé par la pierre précieuse, par cette étincelle qu'il a reçue de Dieu. Et donc maintenant, il va commencer à se rapprocher de cette étincelle encore plus. Et donc, l'imagination dans laquelle il était, elle va commencer à s'éveiller. Et donc se rapprocher de lui, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux du capitaine, au point de le qualifier de grand homme de confiance. Quand le pauvre, il lui a fait montrer au capitaine, dans l'histoire, il lui a fait montrer le diamant, il lui a dit, oh, toi, tu dois être un grand homme de confiance, qui fait en fait référence à la foi, à la Emouna. Donc, Rabbi Nachman, il interprète cette chose-là comme l'intellect acquis. Ça veut dire l'intellect acquis. Dans cette parabole, ça représente la sagesse de la vie que l'homme a acquis grâce à sa persévérance. Quand une personne, elle persévère malgré toutes les négations, malgré toutes les preuves qu'apparemment il ne va pas réussir, mais il persévère, c'est comme ça qu'il acquiert ce qu'il appelle Rabbi Nachman, Sechel Anikne, ça veut dire c'est l'intellect qu'il a acquis. Et donc ça c'est la sagesse de la vie, grâce à sa persévérance. En vérité, ça veut dire quoi? Quand il est arrivé et qu'il est monté sur le bateau, il a accepté, qu'il a été accepté dans le bateau, ça veut dire qu'il a commencé à monter dans un degré où il a commencé à devenir important. Et ça signifie que sa situation a déjà changé et qu'il est monté à un niveau où il est désormais considéré comme un homme important et riche. Bien qu'en vérité, on rappelle encore une fois, tout ça, c'est un potentiel. Il a un diamant, mais il a pas les billets sur lui, il a rien. C'est juste un diamant. Alors maintenant, la question, c'est comment il a su comment se comporter. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que c'est un homme qui est pauvre. Et maintenant, il a trouvé un diamant. Et quand il a rencontré le capitaine, alors il est monté de degré, puisque le capitaine, il l'a fait rentrer. Il lui a donné une cabine VIP, comme on dit, et donc il l'a qualifié d'un homme de confiance. Il est monté, c'est un bonhomme important. Mais comment, puisqu'il a toujours été un pauvre, comment il a su se comporter? Comment il a adopté aussi rapidement toutes les tactiques de la classe supérieure? C'est-à-dire que maintenant c'est devenu un riche négociant. Et en fait, on peut poser la même question à propos de n'importe quel président ou gouverneur qui, on voit en très peu de temps, il sait déjà comment se comporter. Et il sait faire des discours, il sait diriger, alors que dans bien des cas, il n'a jamais appris cela de sa vie. Alors, on va donner un autre exemple actuel, que il y a des personnes qui ne se marient pas par peur. Ils ont peur de se marier. Ou qui n'ont pas d'enfants. Ils ont peur d'avoir des enfants. Parce que pour des raisons, ça coûte cher, ou etc. Chacun avec ses folies. Et ainsi de suite, il y a des milliers d'exemples. Mais il faut savoir que s'ils savaient que dès l'instant où ils passeraient, par exemple quelqu'un qui a peur de se marier, au moment où il passe sous le dé nuptial, sous la choupa, ou dès la naissance de leur premier enfant, de ce couple-là, alors ils vont recevoir immédiatement les facultés mentales appropriées à cette situation. Alors, s'ils savaient ça, ils n'hésiteraient pas à s'engager. Le problème, c'est que pourquoi ils ne s'engagent pas? Parce qu'ils ont peur. Mais quand on s'engage, tout de suite, on reçoit les facultés. Et donc, la raison en est que ces facultés de l'esprit, en vérité, pourquoi on les reçoit? Parce qu'elles étaient déjà en nous. Elles sont gravées en nous dès notre naissance, mais elles sont en puissance. Et donc les circonstances, elles ont provoqué leur mise en action. C'est les circonstances de la vie qui provoquent
On n'apprend pas à être parent, on n'apprend pas à être papa ou maman, on n'apprend pas toutes ces choses-là. On les apprend parce que quand on se retrouve dans la situation, alors c'est les circonstances qui provoquent toute la mise en action de pouvoir pallier à tout ça. Alors, en vérité, tout est inscrit dès la naissance dans la partie de son intellect qui s'appelle l'intellect en puissance, qui est, et maintenant, grâce à une bonne réflexion, c'est-à-dire il a suivi sa destinée, et il a activé, c'est-à-dire qu'il a mis son intellect en action. Alors, il a reçu toute la sagesse nécessaire à sa nouvelle fonction et il a été révélé en un instant. Tout de suite, il s'est retrouvé dans le job, comme on dit. Tout de suite. Et donc, à ce stade, et face à ces révélations, on peut comprendre, quand on revoit l'histoire, que le fait que cet homme ait été considéré comme un pauvre au départ, en vérité, c'est une grande illusion. C'est lui penser qu'il était pauvre, mais c'est une illusion, parce qu'en réalité, il était potentiellement riche, comme la fin de l'histoire l'a démontré. Mais en fait, c'est son audace qui l'a propulsé en première classe, et où il s'est parfaitement adapté. Il parlait avec le capitaine tous les jours, il était copain avec lui, il était dans une cabine 5 étoiles, alors que normalement, c'était un pauvre, il connaissait pas toutes ses faveurs. Mais il s'est très très bien adapté. Et il a eu aucune préparation ni formation particulière. Parce qu'en fait, l'homme, il est destiné à la grandeur. Et il possède en lui toutes les qualités précieuses et merveilleuses qui sont nécessaires pour accomplir sa mission sur Terre, à condition d'en être conscient et d'utiliser ses trésors lorsque cela est nécessaire. C'est ça la condition. Et on voit plus loin dans le récit comment le diamant illumine en lui les révélations et éveille sa joie. Après l'avoir éclairé, est sorti de la boue, ça veut dire que ce diamant-là, cette conscience de Dieu, cette étincelle qu'il a reçue, ça l'a éclairé, ça l'a sorti de la boue. Et le fait de contempler le diamant, alors ça élève encore davantage son esprit. Et au point de lui apporter des bienfaits qui sont physiques et qui élargissent son cœur et qui lui amènent la guérison. Comme l'a expliqué Rabbi Nachman, que ça facilite la digestion de la nourriture. Il faut savoir que, en fait, le processus de la digestion, il symbolise la faculté, la fonction de la clarification. C'est-à-dire que le birour, le tri, ça c'est un tri, qui est nécessaire pour séparer ce qui est bon et utile de ce qui est superflu. Quand on digère, quand on parle de physiquement, c'est ça que c'est un tri. Et cette action, elle existe également au niveau psychologique et spirituel. Et en vérité, ça s'appelle la clarification de l'imagination, comme c'est marqué là-bas dans l'enseignement 25. Ça veut dire d'en extraire l'utile et de rejeter ce qui est nuisible. Et donc ici, le diamant, il a contribué à ce processus. C'est-à-dire que grâce à cette lumière qu'il a reçue, il a réussi à faire des tris et en vérité, il a réussi à recevoir des forces pour pouvoir faire des tris et faire des choix aussi, surtout. Et donc, puisque maintenant il est monté à un niveau supérieur,
Maintenant, il est désormais c'est nécessaire que surgissent des épreuves, des obstacles. Il a gagné un gros diamant, mais maintenant, voilà, il est en train de monter, il est monté dans un degré supérieur. Et donc maintenant, il va passer par des illusions qui sont terribles. Comme nous dit Rabbi Nachman à de nombreux endroits, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait étudié la Torah 48. Le deuxième partie de l'Ikutei Moharan dans la Torah 48, où Rabbi Nachman, il dit que lorsqu'une personne s'engage dans le service de Dieu, on lui montre alors des signes de distance. Il a envie de se rapprocher, mais on le repousse. Il lui semble qu'on l'éloigne d'en haut et qu'on ne laisse pas du tout entrer dans le service de Dieu. Et il nous dit Rabbi Nachman qu'en réalité, tout cet éloignement, ce n'est que rapprochement. Vous vous rappelez, on avait étudié ça. Et il nous dit qu'il faut un immense renforcement pour ne pas s'effondrer dans sa conscience, à Dieu ne plaise. Et donc, c'est ce qui se produit aussitôt lorsque le serviteur, un jeune homme dépourvu de conscience, qu'est-ce qu'il a fait, ce serviteur, rappelez-vous, c'était le matelot, je ne sais pas quoi, celui qui venait nettoyer la cabine, il a pris le diamant, il l'a jeté à la mer, il a ramassé toute la nappe avec les miettes et hop, il a tout jeté à travers le hublot dans la mer. Et donc il n'y a pas de chute plus grande et plus triste que celle-là. Parce que l'heure de l'épreuve, elle était arrivée. Ça y est, maintenant il est rentré dans l'épreuve. Maintenant, il nous dit ici, le Rav Besançon, que celui qui était, la Torah le dit, mais il ramène cette chose-là, il dit qu'une personne qui était pauvre toute sa vie, il s'habitue plus ou moins à sa privation. Mais celui qui a été pauvre et il s'est enrichi, la descente de cet état, elle est considérée comme vraiment une catastrophe. C'est une véritable tragédie. C'est terrible, une personne qui était riche et qui perd. Et qui devient pauvre, c'est une catastrophe. C'est pour ça que lorsqu'il prit conscience de la perte, que maintenant il a plus rien, on lui a jeté son diamant, il est tombé dans la mer, il faillit perdre la raison. Que ça veut dire, il faillit perdre la raison? Ça veut dire qu'il a l'intellect qu'il avait acquis grâce à sa persévérance, puisqu'il a été, d'après son intuition, il est parti, il a suivi, comme on dit, son intuition. Et donc, il a commencé à acquérir de l'intellect. Et là, perdre la raison, ça veut dire que maintenant, cet intellect qu'il avait acquis grâce à cette persévérance, il a failli la perdre. Puisque, à ce moment-là, c'était son seul point de repère. Pourquoi il s'est retrouvé dans un bateau? Pourquoi il est venu jusqu'à la mer et qu'il a pris un bateau pour partir à Londres? C'est pas pour aller faire une croisière. Il a été parce qu'il devait partir, il avait une mission, il devait prendre son diamant, et son diamant il brillait, et donc il devait le prendre et avancer dans la vie avec. Et là maintenant, il se retrouve complètement dépourvu. Et donc maintenant, le véritable combat et le conflit, il vient de commencer. Parce qu'il y a toujours deux approches dans chaque situation. Quand on parle d'une situation d'expansion, ça veut dire de bonté, d'amour, de richesse, ou alors la restriction, la rigueur, que dans la Kabbalah, c'est appelé chesed, ça veut dire bienveillance, bonté, ou alors din, qui veut dire rigueur. Et donc, maintenant, quand elles se combinent, ça veut dire que quand elles sont harmonisées, alors elles forment des nuances. Et donc, quand elles sont bien gérées, la bienveillance, la bonté et la rigueur, alors on arrive à soumettre l'imagination. Comme c'est expliqué dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc,
Mais s'il n'y a pas d'équilibre entre elles, alors c'est l'un des côtés qui domine l'autre. Et toute la perception de notre réalité, elle se déforme. C'est ce qu'on appelle avoir l'imagination détraquée. C'est-à-dire qu'on croit des choses, par rapport, on avait déjà parlé là-dessus sur l'imagination, on revient un petit peu par rapport à ce qu'on est en train de dire maintenant. Et dans notre cas, en fait, la chute du diamant dans la mer, comme la perte de toute chose précieuse, elles peuvent entraîner deux réactions possibles. Si on prend du côté de la rigueur et du pessimisme, alors c'est la tendance à se restreindre. Une personne qui a perdu quelque chose de précieux dans sa vie, elle peut s'attrister jusqu'à tomber dans la dépression et la perdition à cause d'une perte irrécupérable. Et des fois, on peut perdre quelque chose de très très précieux dans sa vie et c'est irrécupérable, c'est perdu. On va pas maintenant énumérer, mais chacun il peut comprendre ce que ça veut dire. Et donc, si une personne elle s'attarde sur l'imaginaire de cette perdition, de ce qu'elle a perdu, alors l'imaginaire de la catastrophe et de l'échec, alors dans un tel cas, c'est comme se jeter à la mer par désespoir. C'est-à-dire que la personne, elle se laisse dépérir. Ça correspond à quelqu'un qui, par excès de rigueur, croit qu'il s'agit d'une véritable chute. Pourquoi? Parce qu'il est rigoureux. Et maintenant, il a perdu quelque chose qui lui reviendra plus. Et donc, il prend les choses très très dures. C'est le côté de la rigueur. Et à cause de ça, il pense qu'il est complètement, que c'est vraiment une chute ce qui s'est passé avec lui. Maintenant, si on prend les choses du côté, on a parlé de deux côtés. Ça, le côté de la rigueur. Et si on prend le côté optimiste, le côté de la bienveillance, c'est la seconde option. C'est-à-dire que se réconforter immédiatement et se dire, ainsi qu'aux autres, ce n'est rien. Que s'est-il passé? Oublie maintenant ce qui s'est passé. Et ensuite, bonjour capitaine, et tu sais quoi? Mon diamant, il est tombé dans la mer. Ça veut dire que si maintenant il allait lui dire que son diamant, il est tombé dans la mer, mais c'est pas grave. Je vais sûrement en trouver un autre. Bon, là, il se serait mis en danger. En vérité, ce qu'il a fait, le pauvre, c'est qu'il a fait semblant d'être joyeux. Le Baal HaTanya, il dit que il a posé un jour la question suivante. Comment se fait-il qu'un juif ordinaire il soit prêt à donner sa vie si on tente de le détourner de sa foi? D'accord? On lui dit maintenant, renie ta foi, il fait l'idolâtrie ou n'importe quoi, il est capable de donner sa vie. On parle d'un juif ordinaire, on ne peut même pas parler de quelqu'un qui est un juste, on parle d'un juif ordinaire. Alors qu'en vérité, il est prêt à faire de nombreuses concessions et même à commettre des transgressions complètes. C'est-à-dire que d'un côté, si on va commencer à lui toucher à sa foi, il est capable de donner sa vie pour ça, alors que dans sa vie quotidienne, il fait des concessions, il fait des transgressions. Alors, où elle est la logique? Alors, il dit le Baal HaTanya, c'est quoi la réponse? Que toutes ces transgressions, en vérité, elles peuvent être commises que si un esprit de folie, elle s'empare de lui. Et qu'est-ce que c'est un esprit de folie? C'est la fausse croyance que ce n'est vraiment pas si grave. Ça veut dire que quand une personne elle fait des concessions, quand quelqu'un il a une raison, qu'il a une conscience qui est forte, alors il a des limites. Maintenant, quand cette conscience elle est traversée par un vent de folie, alors la personne elle dit bon, c'est pas si grave. Qu'est-ce que ça peut faire au créateur du monde? Il est tellement miséricordieux. C'est pas que ça va changer ce que je fais cette transgression ou pas. Ça va changer quelque chose. Et ça, en fait, ce qu'on appelle, ce n'est pas grave. Ça s'appelle vraiment un esprit de folie. Quand une personne, elle n'arrive plus à voir la gravité de la chose, alors ça veut dire qu'elle est traversée par un esprit de folie. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Si une personne, si lui, ce pauvre, il avait dit au capitaine, tu sais quoi? J'ai perdu mon diamant, il est tombé dans la mer, c'est pas si grave que ça, tu sais, je vais en retrouver un autre. C'est-à-dire qu'il a fait des concessions, il a pas, il y a pas, c'est pas très grave ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il aurait fait le capitaine? Il l'aurait pris, il l'aurait jeté à la mer. Alors il lui aurait dit, va chercher ton diamant. Il l'aurait pris, il l'aurait jeté à la mer, et puis il aurait perdu et son diamant, il aurait perdu la vie aussi. Donc on voit qu'il y a un problème des deux côtés. Comment réagir? On ne sait pas comment, parce que si une personne s'est déjà trouvée dans cette situation, une personne qui a perdu quelque chose de précieux dans sa vie, alors il va comprendre parfaitement de ce qu'on veut dire ici. C'est un conflit terrible. C'est un conflit terrible, parce que c'est très grave d'un côté, mais si on dit que c'est pas grave, alors ça veut dire que y a un côté grave, il y a un côté où c'est, où y a un milieu à trouver, et c'est quelque chose, c'est un conflit terrible. Et il dit ici que pour ceux qui l'ont pas encore vécu, alors ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est une préparation. Parce que l'homme, il doit inévitablement passer par des situations dans la vie où il va passer par des situations où, pour pouvoir passer d'un degré à un autre, il va devoir passer par des épreuves. C'est comme ça. C'est quelque chose. Heureusement qu'on nous le dit. Heureusement qu'on nous le dit. Alors, pour éclairer cette confusion, on va présenter ici une lumière puissante. En fait, c'est la parole, une parole qui est cinglante, qui est tranchante, de Rabbi Israël, celui qui a reçu la lettre du ciel. Rabbi Israël Ber Odesser, qui a reçu la. On a une fois, on avait fait un cours là-dessus aussi, sur la lettre du ciel. Et il dit la chose suivante. Il dit comme ça que notre maître, Rabbi Nachman, il est l'opposé des chassidim et l'opposé des non-religieux, des laïcs. Les chassidim, c'est des gens très, très, très religieux. Et les laïcs, c'est des gens qui sont à l'opposé. Donc Rabbi Nachman, il est à l'opposé des deux. On va expliquer que, en vérité, c'est un paradoxe énorme. Pourquoi, en effet? Et que c'est là que réside tout le secret. Qu'on va essayer d'expliquer. Avec votre permission. Si on parle des chassidim, l'une des définitions du terme chassid, selon le Noam Elimelech, il dit que c'est celui qui, pour une pensée de transgression, il considère une pensée de transgression exactement comme la transgression elle-même. C'est-à-dire que s'il va penser à une transgression, pour un chassid, quelqu'un qui est scrupuleux, quelqu'un qui est très très religieux, il va considérer la pensée comme une transgression elle-même. Pourquoi? Parce qu'il s'efforce toujours à faire au-delà du nécessaire. Et donc c'est ça son point faible. Pourquoi? Parce que quand une personne qui est scrupuleuse, elle vit une descente ou une grave chute, alors ils ont tendance à se briser. Comme ils ont une conscience qui est très aiguë, qui les a élevés si haut, et qui se retrouvent soudain contre eux-mêmes, ça veut dire cette conscience, elle se retourne contre eux-mêmes, et non seulement cette conscience, elle devient accusatrice, et donc en d'autres termes, ils tombent et ils pensent. Quel malheur, c'est vraiment une chute. Ils pensent qu'en vérité, qu'ils ont chuté. Et ils se trompent alors par accès de restriction. Et donc, ils sombrent immédiatement dans le désespoir et la tristesse et des émotions qui les conduisent souvent à tout abandonner et à devenir des chassidim déchus. Ça veut dire quoi, des chassidim déchus? Qui sont abattus. Qui sont déclassés et qui sont destitués. Et Rabbi Nachman, il dit que un chassid déchu, ça veut dire quelqu'un qui était scrupuleux et qui est tombé dans cet état, il est pire qu'un mécréant. Il est pire qu'un mécréant parce qu'il est monté dans un degré et maintenant, à cause qu'il pense qu'il est tombé, alors il a tout laissé tomber.
Et à cause de ça, il dit Rabbi Nachman qu'il est pire qu'un mécréant. Alors, si on demande comment Rabbi Nachman a pu permettre la possibilité d'une chute, alors que dans cet enseignement, il nie complètement, explicitement, il nie la chute, Rabbi Nachman. Il dit qu'il n'y a pas. Enze nefila klal, ce n'est pas une chute du tout. Ce n'est pas une chute. Et d'un autre côté, Rabbi Nachman, il parle de la chute, il parle de la descente. Mais maintenant, une personne qui croit en Rabbi Nachman et qu'il croit en cette parole qu'en vérité, ce n'est pas une chute du tout, alors ça veut dire que pour cette personne, c'est ça qui doit être. C'est-à-dire que quand il se retrouve dans cette situation-là, il doit croire aux paroles de Rabbi Nachman que ce n'est pas une chute. Mais si que Dieu préserve une personne, elle croit que c'est véritablement une chute, c'est-à-dire qu'elle est restreinte, elle croit que c'est véritablement une chute, alors la personne, elle devient un chassid déchu. Ça veut dire qu'elle devient une personne qui est abattue, déclassée, destituée. Elle tombe, elle est pire qu'un apostat, elle est pire qu'un mécréant, cette personne-là. Et maintenant, ça c'est le côté chassid, c'est-à-dire on a parlé des deux côtés. On a dit que Rabbi Nachman, il a dit Rabbi Israël, que Rabbi Nachman, il a dit une parole que Rabbi Nachman, c'est l'opposé des chassidim, donc c'est pas les chassidim, et c'est l'opposé des non-religieux. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les non-religieux? Alors, c'est en fait, excusez-moi. En fait, dans l'enseignement 25, là-bas, hein, on n'a pas développé ça parce qu'on pourrait parler. Oh, il est déjà, on a déjà, on n'est pas encore arrivé à la fin et on est déjà à 1 heure de cours. Mais je vais essayer de vite terminer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'essaye d'avancer, mais c'est dur de rétrécir les choses. Les non-religieux, en fait, ils se définissent eux-mêmes. Ça veut dire que eux, ils définissent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, d'après leur morale. S'il y a une tentation qui se présente à eux, alors ils ont qu'à inventer une excuse, d'accord, philosophique, pour apaiser leur conscience. Et en vérité, ils arrivent au terme de ce n'est pas si grave. C'est pas grave. C'est le contraire des chassidim, qu'ils disent c'est très grave. Et on a expliqué que Rabbi Nachman, c'est le contraire des chassidim et des non-religieux. Donc il y a une recherche à faire. Et en vérité, ils se trompent complètement, les non-religieux aussi. Parce que si une personne, elle se réconforte aussi facilement avec un slogan ou une invention quelconque, d'accord, alors qu'il reste toujours satisfait de soi-même, alors jamais elle pourra progresser. Et donc, quoi faire? Est-ce qu'il faut s'attrister? Il faut s'énerver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pleurer et rire? C'est ça toute la question. Donc la réponse correcte, elle est suggérée dans notre parabole que Rabbi Nachman il a racontée. Et elle ne nous révèle rien de moins que le secret pour faire face aux situations tragiques, de laquelle découle toute la force de la survie du peuple juif. Et en vérité, cette recette, il n'y a aucune nation qui l'a et qui peut l'imiter, parce que c'est la sagesse, notre sagesse, comme il y a un verset qui dit votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. En vérité, ce verset-là, il parle de la restriction de la lune. Quand la lune, elle a été diminuée, et à cause de ça, si vous voulez, on l'avait aussi expliqué à un cours, c'est que cette diminution de la lune, elle a amené toutes les catastrophes, c'est ça qui amène toutes les catastrophes qui sont sur Terre. Mais il y a la lumière du soleil, et il y a un jour où la lune, elle va retrouver sa splendeur, et les choses vont être rétablies. Donc c'est la rectification de la lune.
Et donc, c'est en fait le conflit entre ces réactions extrêmes, ou de pleurer ou de rire dans une tragédie, une chute, de dire non, c'est pas grave, il s'est rien passé. Et donc, ce qu'on a vu dans le prophète Jacob, c'est que quand il s'est sauvé de son frère Ésaü, qui le poursuivait dans la paracha Vayetse, on voit que Jacob, il est sorti de Beersheba. Beersheba, ça veut dire les 7 degrés. Il était dans les 7 de degrés et il devait atteindre, c'était 7 points, et il devait atteindre un degré suivant. Et il est parti, le verset dit qu'il s'est rendu à Haran. Haran, ça représente Charon Af, ça veut dire c'est la colère. C'est-à-dire que quand il est parti, qu'il s'est sauvé de son frère Esav qui voulait le tuer, il est parti vers Haran dans un endroit qui symbolisait la colère. Ça veut dire qu'il appartient à l'étape suivante. Et ensuite, c'est marqué, il a rencontré l'endroit. Il rencontra l'endroit. Mais en vérité, c'est quoi l'endroit? C'était l'endroit de Dieu. C'était la porte du ciel. Et c'est marqué que ce Dieu, que redoutable ce lieu, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans un lieu où il est passé devant et il a senti que c'était cet endroit-là, il était redoutable. Il ne savait pas ce que c'était. En vérité, il était arrivé à la pierre de fondement. Ça veut dire que c'est la pierre de fondation. C'est à partir de cette pierre-là que Dieu, il a créé tout le monde. Et elle se trouve dans le Saint des Saints, à côté du Saint des Saints dans le temple. Et que c'est la pierre angulaire aussi qu'on appelle. Et donc quand il est passé de cet endroit, il est en fuite. Il se sauvait parce qu'il était en danger de mort. Mais il savait que c'était pas une chute. Parce qu'il avait la foi que Dieu, il ne faisait pas ça pour le faire tomber. Et donc il était en train de fuir son frère. Et quand il savait que c'était pas une chute, c'est là où il a trouvé l'endroit, la porte du ciel. Ça veut dire que c'était l'étape suivante qui allait le faire monter dans un autre degré. Sachez les amis que tout ce qu'on dit là maintenant, ça nous concerne tous. C'est-à-dire que maintenant chacun il doit se retrouver dans ses paroles parce que chacun il a perdu des choses, il a perdu des illusions, il a perdu des choses graves qui se sont passées des fois dans sa vie. Et donc ça, tout ça, c'est pour nous faire comprendre que c'est pas une chute, bien au contraire. Donc, il a pas nié la réalité, Jacob, parce que il a dit, ce n'est pas moins que l'endroit de Dieu. Donc, ça veut dire que d'un côté, il était poursuivi, il aurait pu craquer complètement et tomber dans le pessimisme, comme les chassidim, comme on a parlé des chassidim qui sont tombés. Et en vérité, quand il dit le verset, ce n'est rien moins que la porte du ciel, ça veut dire ça correspond à ce n'est pas une chute du tout. Et donc, grâce à ça, il a vu la présence de Dieu. Et donc, le niveau d'après dans lequel il est passé. Et on voit une chose, c'est que dans l'histoire du diamant, que quand il a pas failli perdre à la tête, comment ça s'appelle, le pauvre, quand le diamant il est tombé dans la mer, on voit que c'est marqué que il a fait semblant d'être joyeux. Il a fait semblant d'être joyeux. À quelqu'un qui a donné une explication, c'est que de faire semblant d'être joyeux, c'est quelque chose qui se fabrique. En vérité, si vous voulez, normalement, la joie chez nous, c'est quelque chose de naturel, que s'il y a une raison d'être joyeux, alors on est joyeux. Mais s'il y a des événements qui nous secouent, alors il n'y a pas de raison d'être joyeux. Ou comme dans cette histoire du pauvre qu'il a perdu quelque chose de très précieux, alors il avait toutes les raisons d'être malheureux et de perdre la tête complètement. Mais il dit Rabbi Nachman, il s'est fait joyeux. Il a fait semblant d'être joyeux. Et donc, se faire joyeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme il dit Rabbi Nachman dans
les Sikhot Aran dans les Sikhot Aran, c'est un livre qu'il a écrit Rabbi Nachman. Il parle de la joie et il dit qu'en particulier lors de la prière, il faut que la prière se fasse avec une grande joie. On doit s'efforcer de se réjouir par tous les moyens possibles pour atteindre la joie, surtout au moment de la prière. Comme il est dit, je chanterai pour mon Dieu tant que je vivrai. Si parfois son esprit est troublé et qu'il ne peut en aucune manière se réjouir, alors le conseil est de se faire comme s'il était joyeux. Voilà le conseil qui dit Rabbi Nachman. Et même si au début la joie n'est pas vraiment dans le cœur, malgré tout, en faisant semblant d'être joyeux, il méritera ensuite la véritable joie. Donc on voit que le fait de la joie, c'est quelque chose qui se travaille. Et en fait, après, plus loin, il y a encore beaucoup à dire, mais on va abréger. Mais en fait, Rabbi Nachman, il dit que là où on s'imagine être, c'est là où on se trouve inclus. Ça veut dire que même le Baal Shem Tov, il dit ça. Quand une personne, elle imagine être dans un endroit, c'est là-bas. Dans sa tête, il imagine d'être dans tel endroit. Alors, véritablement, il est là-bas. Si une personne, elle se fait joyeuse, ça veut dire qu'elle imagine qu'elle est joyeuse. Alors, à la fin, elle va arriver à cette joie-là. Parce que c'est ça qui fabrique la joie. Donc, c'est pas une simple façade. Et ni non plus une mise en scène. En vérité, on a l'impression que c'est un bluff, comme une espèce de poker, comme ça, poker face, comme on dit, qui fait un bluff. Comme si qu'on était en train de parler de tricheur. Mais en vérité, la différence entre le bluff et faire semblant d'être joyeux, elle est immense. Pourquoi? Et comme d'un extrême à l'autre. Pourquoi? Parce que même si, s'ils peuvent sembler similaires, le bluff et faire semblant d'être joyeux. En fait, le poker, c'est une feinte qui est trompeuse, qu'elle est intentionnée, elle est conçue pour duper l'adversaire. C'est quelque chose qui est calculé. Et donc, mais seulement faire semblant d'être joyeux, c'est un travail intérieur et spirituel qui utilise le pouvoir de l'imagination. Rappelez-vous que toute cette étude-là, l'enseignement 25, c'est de sortir de l'imagination. Alors maintenant, quand on rentre dans une imagination qui est saine, comme le fait de le pouvoir d'utiliser l'imagination pour atteindre ce but que la joie, elle soit véritable et réelle, en fait, c'est une introduction à une maîtrise intérieure de nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre. Ce qu'il nous dit ici, c'est que c'est vraiment le chemin, les amis, pour arriver. Sinon, on est obligé d'être noyé dans la tristesse et dans le. Tant que ça roule. Mais dès qu'il y a un gros pépin, alors ça commence à. On perd complètement les pédales. Et c'est là où ça commence. C'est là où l'épreuve, si vous voulez, comme avec ce pauvre qui a trouvé le diamant, c'est qu'en vérité, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, parce qu'il a tenu le coup et qu'il a fait semblant d'être joyeux, qu'il s'est fait joyeux. C'est pas qu'il a fait semblant, c'est qu'il s'est fait joyeux. D'accord? Il n'a pas fait montrer une différence au capitaine. Il a continué à faire semblant. Ça veut dire, il a parlé avec lui normalement, il a discuté, il lui a pas fait montrer qu'il était triste et qu'il avait perdu son diamant. Il s'est pas livré à lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé après que il a gagné tout le bateau. Et Rabbi Nachman, il dit que c'est ça toute l'épreuve d'un homme. C'est-à-dire que maintenant, s'il arrive à tenir le coup et à faire semblant, à se faire joyeux, c'est un travail intérieur. Ça veut dire quoi? Se faire joyeux, c'est imaginer les délivrances. Quand une personne, elle est dans le désarroi, dans l'angoisse, elle va imaginer sa délivrance. On va appeler ça la puissance de l'affrontement face à la négation de la réalité. C'est-à-dire que la personne, malgré qu'elle a des preuves, le déni qu'elle a, elle se confronte au déni.
Vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, c'est vrai que le monde, il va vous dire, ah oui, là là, vous avez vraiment des raisons d'être triste et tout ça. Rabbi Nachman, il parle d'autre chose. Voilà, ça continue, il y a encore beaucoup, beaucoup à dire, mais ce qui veut nous dire que ce n'est pas une chute du tout. Ça veut dire que maintenant, tout ça, à la lumière de cet enseignement 25, il a expliqué, le Rav Besançon, il nous a proposé une explication pour nous faire comprendre que ce n'est pas du tout une chute. D'ailleurs, il y a une parole de Rabbi Nachman qu'on a citée beaucoup de fois. Comme il dit Rabbi Nachman, comme vous me voyez, si je commettais une grave transgression, il parle de lui, Rabbi Nachman, je reviendrai immédiatement la même personne droite qu'avant la faute. Ce n'est qu'ensuite, le moment venu, que je ferai repentance. Ça veut dire que j'arriverai à. Que je ferai mon état de conscience quand viendra le moment. Quand viendra le moment. Il y a plein, après, il amène beaucoup, beaucoup d'exemples sur Yosef. Il amène, si vous permettez, on va faire encore une histoire. Attendez. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il y a une histoire dans la Gemara, dans le Talmud, de Ménachot, et qui raconte qu'il y avait une fois un élève, un homme très scrupuleux, donc quelqu'un qui était très scrupuleux dans la mitzvah des tzitzit, d'accord, les tzitzit qu'un homme qui porte. C'est le Talmud qui raconte cette histoire. Et il a appris cet homme qu'il y avait une prostituée dans les contrées maritimes, qui réclamait 400 pièces d'or pour ses services. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les 400 pièces d'or et il a fixé un rendez-vous avec elle. Et donc, lorsque le moment il arriva, il est venu et il s'est assis à la porte. Et donc, la servante de cette prostituée, elle est rentrée. Et elle lui dit, cet homme qui t'a envoyé les 400 pièces, il est là et il attend à la porte. Alors, la dame, la prostituée, elle a dit, il a qu'à rentrer. Et donc, il est rentré. Et donc, le Talmud, il dit qu'elle avait préparé 7 lits. 6 en argent. Et le septième, il était en or. Et entre chacun d'eux, de ces lits-là, il y avait une échelle d'argent. Et celle du sommet, elle était en or. Et donc il monta, elle est montée tout en haut sur le lit qui était en or. Et elle s'est dévêtue. Et lui aussi, il est monté et il s'est dévêtu. Mais il a gardé ses tzitzit sur lui. C'est un peu paradoxal. Il a gardé ses tzitzit et ses tzitzit, ils lui ont frappé dans le visage. C'est-à-dire que les tzitzit, ils lui ont rappelé qu'est-ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, il s'est éclipsé, il s'est mis à terre. Et elle aussi, elle s'est mise par terre. Et elle lui a dit, par le destin de Rome, dis-moi quel défaut j'ai. Est-ce que tu as trouvé un défaut en moi? Alors elle lui dit, par le service divin, j'ai jamais vu une femme aussi belle que toi, mais il y a un commandement que Dieu nous a donné et qui s'appelle Tzitzit. Et il est écrit à son sujet, je suis l'Éternel, votre Dieu. Deux fois. Je suis celui qui demandera des comptes et je suis celui qui récompensera. Et donc, à ce moment-là, quand j'étais en haut avec toi, il m'est apparu comme si qu'il y avait quatre témoins qui venaient me remettre, qui vient me remettre sur le chemin. Alors elle lui a dit, cette prostituée, je ne te laisserai pas partir avant de connaître ton nom, le nom de ta ville et le nom de ton maître et le nom
du lieu où tu étudies. Alors il a pris un document, il a écrit tout ça et il lui a remis. Et c'est marqué, le Talmud dit qu'elle s'est levée et elle a distribué tous ses biens. Elle a donné un tiers à la royauté, un tiers aux pauvres et un autre tiers qu'elle a gardé pour elle. Et un tiers pour elle. Et elle est partie à la maison d'études de Rabbi Chia. Vous imaginez qui c'était? C'était l'élève de Rabbi Chia. Rabbi Chia, on peut pas s'imaginer. C'était un Tana. C'était quelqu'un d'extrêmement grand. Rabbi Chia, il avait la possibilité les Tanaïm, ils avaient la possibilité que si une personne, elle était décédée, de leur faire retrouver la vie. C'est-à-dire que comme ils avaient le secret, quand une personne, elle décède, son âme, quand elle monte, elle chante une mélodie. Et celui qui connaît cette mélodie peut ramener l'âme dans le corps de la personne. Et donc, Rabbi Chaya, il faisait partie de ces gens-là qui connaissaient ce secret-là, pour vous faire montrer la grandeur de ces gens-là. Alors, elle est venue voir Rabbi Chaya, puisqu'elle avait l'adresse, le nom de la maison d'études où il étudiait cet étudiant. Et elle lui dit, Rabbi, ordonne-moi et fais-moi devenir une convertie. Elle a demandé à se convertir. Alors il lui a dit, Rabbi Chaya, ma fille, est-ce que c'est parce que tu as posé les yeux sur l'un des élèves? Et donc elle a sorti le document de sa main et elle lui a donné. Alors Rabbi Chaya, il lui a dit, va et tire profit de ton acquisition. Vas-y. Ah donc, elle avait gardé aussi les objets de literie qu'elle lui avait offert dans l'interdit. C'est-à-dire qu'elle a pris tous ces objets-là. Et maintenant, voilà, quelle était sa récompense dans ce monde et de le monde à venir. Alors ça, c'est les paroles, ça, c'est la parole de la Gemara, mot pour mot. Il y a bien sûr plein de commentateurs, mais une chose qui est sûre, si par exemple, s'il était vraiment vigilant, cet élève dans la mitzvah des tzitzit, qui veut dire qu'il était très pieux, il avait cette caractéristique, et la mitzvah des tzitzit aussi correspond à l'alliance, de garder, de rester propre. Mais on voit qu'il a été attaqué par toutes ces illusions. C'est-à-dire qu'il a eu une épreuve, comme celle de tous les tzadikim qui sont passés par là, comme Yosef, qu'il a failli tomber avec la femme de Paro, etc. Donc on voit que dans toute l'histoire, il y a eu Yehuda et Tamar aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires où David et Bathsheba, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont frôlé l'interdit. Et donc ça veut dire que c'était un recrut d'illusions, etc. Et pour pouvoir monter dans, si vous voulez, dans l'étape d'après. Mais en vérité, il nous dit, le Harizal, que cette femme-là, cette prostituée, c'était la réincarnation de la femme de Paro. Et ce jeune étudiant, c'était la réincarnation de Yosef HaTzadik. Et que maintenant, avec toute cette épreuve-là, ils ont réussi à sublimer la chose et à se marier dans le permis et de grandir et d'avoir un grand, grand, grand mérite. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est que comment un jeune comme ça, qui va pour faire un péché, il garde son tzitzit. Je sais pas, quelqu'un qui va aller dans des endroits peu fréquentables, il va enlever sa kippa, ou alors il va négliger certaines choses, puisque déjà il est en route pour aller faire une mauvaise action et faire un péché. Mais là on voit que il a gardé il a respecté la chose, il est pas tombé dans la contradiction. Il est resté qui il était, et grâce à ça, il a été sauvé.
Bon, il y a, je vous dis, c'est très très, il y a beaucoup beaucoup de choses encore à dire. Mais en tout cas, ce qu'il veut nous dire Rabbi Nachman dans cet enseignement, c'est que tout ça, c'est terrible, mais ce n'est pas une chute du tout. Alors voilà, Bezrat Hashem, on a. Attendez. Voilà, j'espère que c'était un peu long ce soir. Mais j'aurais pu encore continuer au moins une bonne heure parce qu'il y avait encore beaucoup à parler. On a essayé de résumer le maximum. Voilà les amis. C'est un très beau cours, un très très beau cours. Excellent ce cours. Si on peut continuer, ce serait bien. Ouais, mais après, Oui, mon cousin va continuer. en fait, je vais vous dire, ce qui ramène après, c'est beaucoup beaucoup d'exemples. L'exemple de David Ameller, l'exemple de Yosef Hatzadik. C'est les histoires de ceux qui ont voulu accéder à la divinité, à la sainteté. Et ils se sont retrouvés devant des catastrophes, mais c'était pas une chute du tout. Puisque après, c'est comme ça qu'ils sont devenus des justes. Alors nous, où est-ce qu'on est dans tout ça? Où c'est qu'on est dans, on doit être inspiré par tout ça. C'est-à-dire que quand on se trouve confronté par des choses, il y a des gens qui ont eu des malheurs dans leur vie, des déceptions très 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 dures. Il faut savoir que ce n'est pas une chute. Il faut, à la lumière de cet enseignement-là, c'est pour accéder à l'étape suivante. Et si la personne, elle reste courageuse et qu'elle arrive à intégrer cette chose en lui avec des prières, etc., alors Bezrat Hashem, il va pouvoir, c'est ça le développement de la personne. C'est ça son développement de toute sa vie. Toute sa vie, c'est ça. C'est que de monter. Malheureusement, on ne connaît pas tous ces secrets, on ne les connaît pas. Alors qu'est-ce qu'on truc? Dès qu'il y a un problème, touc, allez, la personne, elle tombe. Elle tombe, elle chute, elle truc, elle perd le moral, elle est cassée, elle truc, elle sait plus comment faire, et aller. Et parce qu'elle ne sait pas. Et Rabbi Nachman, il nous dévoile quelque chose de très 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 fort et essentiel. Le diamant, c'est chacun. Chacun, il a perdu quelque chose. Et si ça ne s'est pas passé, alors il doit se préparer, parce que c'est comme ça. C'est ça la vie. Pour celui qui veut le bien. Maintenant, ceux qui sont pas dans cette... qui savent pas ça. Tant que ça marche, ça marche. Tant que ça roule, comme on dit. Tant qu'il n'y a pas trop de problèmes. Mais dès qu'il y a un problème, il ne reste plus personne. Les gens, il y a beaucoup de gens qui meurent de tristesse, de découragement. Là, c'est la Bonsoir. route. Pardon? Pardon, excusez-moi. Bonsoir, Avili Cohen. Bonsoir. Non, j'avais juste une. Enfin, quelque part, il ne s'est pas plaint auprès du capitaine. C'est ça qui l'a sauvé? Il n'était pas dans la plainte. Non, non. Il a gardé pour lui. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit en C'est tout cas. absolument, absolument. Non, c'est vrai, exactement. C'est vrai ce que vous dites. Mais parce que si c'était plein. Il aurait pu lui dire. Vous avez dit, il sait pas, il aurait pu lui dire, voilà ce qui m'arrive, etc. Et puis là, c'est pas ce qui Il aurait me perdu son diamant et il aurait vient. perdu sa Voilà. vie. Et sa vie aussi. Voilà. C'est ça qui me vient aussi. Il a perdu Complètement. tout Mais lui, quoi. entre ne pas se plaindre et après, il faut se faire joyeux. Il faut faire semblant. Il faut faire semblant. Mais à la fin, le diamant qu'il a perdu, c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est que le bateau qu'il va récupérer, il est bien beaucoup plus, il a beaucoup plus de valeur que le bateau lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a tenu le coup. Il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup. Il faut tenir Quelque le part, coup. là, ce qu'elle soulève, Sylvie, c'est le point crucial de l'histoire. C'est le moment où il perd tout et il fait semblant de rien. Il fait comme si Mais tout allait avant de bien. faire semblant, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu, Rabbi Nachman, il dit, il a failli perdre la raison. Complètement. Il a senti qu'il devenait fou. Ça y est. Il a perdu la raison. Perdu la raison, c'est quoi? C'est de dire, regarde ce qui m'est arrivé. Ou dire autre, ah ouais, c'est ça qui t'est arrivé. Allez hop, dégage, hop. Par-dessus bord. Il l'aurait jeté aux baleines, aux Mais requins. c'était une souffrance quand même. Bien C'était sûr une que c'est une souffrance pour souffrance. lui. Mais oui, C'est ça la mais difficulté. évidemment que c'était Il une souffrait souffrance. et il le garde pour lui et cette souffrance, il ne la partage pas. Enfin bon, c'est pas toujours. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est une souffrance Il quand la même. partage pas avec le mauvais côté. Mais vous savez que Rabbi Nachman, quand ces choses-là elles arrivent, parce que il nous dit, quand il nous ramène Rabbi Nachman, que si lui-même, Rabbi Nachman, il avait fait une faute,
juste après la faute, il redeviendrait comme une personne qui n'avait pas fait la faute, et quand on se présenterait le moment, alors il réparerait la faute. Alors les élèves, les chassidim de Breslev, ils disent que quand est-ce qu'on répare la faute? C'est au moment où on s'isole avec Dieu et on commence à parler avec lui. Donc ça veut dire que c'est pas qu'on n'en parle pas. On en C'est parle avec ça. Dieu, bien sûr qu'on en parle avec Dieu. Et ça, on en a besoin. Mais à l'extérieur, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que vous vérifiez, si on pourrait parler, je vous dis, on pourrait parler des jours et des jours là-dessus. Mais à l'extérieur, Ah, je vais vous vous dire avez une chose. Si vous, chance. si par exemple quelqu'un il est affaibli, qu'il a truc, qui va tomber sur une personne et il n'y a pas beaucoup de gens bienveillants, malheureusement. Ou Ouais. alors il y a des gens, vous allez leur dire qu'ils ne savent pas comment réagir par rapport à votre problème. Et qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils ne vous aident pas, mais ils vous font tomber. C'est eux qui vous font tomber. Parce que vous avez pas l'oreille, vous avez pas. Les gens, ils comprennent pas. Oh là là, ben oui, et truc. Ah oui, ben là, là, t'étais dans un beau pétrin, là. Hein. Oh là là. Ah oui, là, là, c'est Oui. pas facile. C'est comme ça. C'est Oh, comme ça. Les c'est gens, ils ont pas. Raphaël, c'est Josiane. Il voulait. Pardon. Je vous entends plus, là. Oui, il voulait garder aussi la confiance du capitaine. C'était peut-être une tactique. Hein? Non, 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 non. Non, c'était Non, pas. non. Non, non, c'était pas. C'est pas la confiance du capitaine. C'est que si vous voulez, s'il lui avait dévoilé. D'abord, je vais vous dire une chose. C'est un grand courage, parce que c'est plus facile. Et ça, chacun il peut le comprendre dans sa vie. C'est plus facile de craquer, de trouver vite quelqu'un et de dire, tu sais ce qui m'est Hein? arrivé. Voilà ce qui m'est arrivé. De rien dire, c'est pas de garder la confiance. C'est qu'il a compris que s'il parlait, il mourrait, tout Bah, il simplement. est perdu, oui. Alors voilà, c'est tout. Donc c'est pas garder sa confiance, c'est de sauver sa vie. C'est pas de Bah, garder son confiance, c'est de sauver voilà. sa vie. Oui. Ah non, oui, d'accord. C'est de sauver sa vie. C'est une Bezrat bonne idée. Hashem. Mais quelque part, le choix qu'il a fait, c'est comme si un peu il refusait l'épreuve. Parce que s'il avait accepté l'épreuve de perdre le diamant, la conséquence, c'est la tristesse, le désespoir de devenir fou, la première étape qu'il a eue. Ça, c'est la conséquence de l'épreuve. Mais s'il se dit, je refuse l'épreuve, à ce moment-là, c'est comme si l'épreuve n'était pas arrivée et il Non, rentre mais dans un processus où il est joyeux, etc. Et c'est ce continue qu'on dans a ce dit tout à processus. l'heure, c'est Non, pas mais je grave, refuse, je l'honora, c'est refuse. pas grave, c'est pas Je grave. refuse ou une Ouais. part de déni? C'est le Je refuse. déni, c'est le C'est déni. le déni. Ouais, Bah, il ouais, a ouais. rien Mais c'est pas demandé. ça non plus. Vous savez ce qu'on a fait ce Attends, soir, mais c'est il pas. a eu peur de mourir aussi. C'est en même temps C'est pas très ça qui le grave motive. et en même temps, c'est pas une chute. C'est entre les deux, c'est pas. Il a pris la distance aussi. Il Et faut, comment dire? les amis, Mais ce ça ne veut qu'on pas dire a. qu'intérieurement, il continue pas à souffrir, hein? Bah oui, évidemment. C'est Il faut une forme purger, c'est un truc à Et purger. donc, qu'est-ce qui fait semblant? C'est Et donc, qu'est-ce qui méditatif fait aussi. semblant d'être joyeux? Eh bien, justement, il peut faire semblant et souffrir. Mais comment il fait pour faire semblant s'il souffre Eh trop? bien, ça se travaille. C'est ça l'exploit. C'est ça Bah. l'exploit. Il dit ici dans l'étude qu'on a, dans l'étude 25, allez regarder dans l'étude 25 du Likutey Moharan, Rabbi Nachman, il dit de sortir de l'imagination et de se diriger vers l'intellect, la raison. Donc maintenant, sortir de Parce qu'il n'est pas. l'imagination, ça veut dire que maintenant, dans le fait, je suis confronté à une réalité très dure, mais je suis dans le déni. Pourquoi je suis dans le déni? Parce que je n'accepte pas ça comme une chute. Donc j'accepte pas. Oui. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose de grave. Quelqu'un qui perd un être cher, ou des choses qui se passent dans la vie, ça rigole pas. Ça rigole pas. On peut être détruit de ça. Mais Rabbi Nachman, il donne une médiane ici. Et c'est, vous savez, ce qu'on a fait maintenant, ça fait 1 heure et demie qu'on parle. Mais je vais vous dire une chose. C'est pas en 1 heure et demie que c'est juste matière à rechercher maintenant. Il faut chercher. Il faut prier. Il faut aller regarder. Il faut chercher. On n'a pas résolu le problème. On a donné une direction. On a donné une matière de recherche. Voilà. Oui. Puis il y avait une part d'acceptation aussi, un chemin vers l'acceptation. Une fois que c'était dans la mer, c'était à la mer, quoi. Oui, mais il n'a D'accord. pas accepté. Parce que s'il avait Mais accepté, comme non. a dit Madame Fitoussi,
Il se Non, serait, il se on serait, sera. il, s'il avait dit au capitaine, tu sais, c'est pas grave, j'ai perdu, mais je vais en trouver un autre. Il dit, ah ouais, c'est pas grave, c'est d'accord, c'est pas grave. Et comment tu vas me payer ton voyage? Ah mais j'ai Voilà. pas, t'inquiète pas. Ah ouais, t'as pas, allez, hop. Et c'était fini pour lui. Voilà, Bezrat Hashem, les amis. Oh là là. Alors, Merci. avec l'aide de Merci Dieu, beaucoup. Hein. j'espère qu'on, à Merci la semaine beaucoup. prochaine, Bezrat Hashem. Merci. La semaine prochaine, on sera vraiment 2 jours Merci. avant Rosh Hashanah. En Oui, direct là, je d'Oman. voulais dire, Alors, je peux ouais. pas partager. Pardon, je peux pas partager en ce moment sur Facebook parce qu'ils m'ont bloqué. Pardon, je Non. peux plus. Pour l'instant, je peux plus partager. Vous avez abusé, alors, ça veut dire. Ah ben entre vous et le rabbi pas, Elle diffuse trop vos vidéos, Rabbi Cohen. Et à un moment où ça bloque, bon, Hachem. Ramenez-vous-toi si tu as des questions, moi j'ai pas. Bon, Bezrat Hachem, alors je vous souhaite Shavua Tov. Et puis, Bezrat Hachem, Antoine. qu'on puisse arriver à Rosh Hashanah et que malgré Merci qu'on beaucoup. doit, on est dans des périodes, la période de Elul, c'est vraiment un examen, pas un examen de conscience, on a l'impression qu'on est en train de nous faire une chirurgie. C'est pas facile du tout. Mais il faut savoir que c'est pas une chute. Voilà. Il faut savoir que c'est juste pour accéder à l'étape suivante, Bezrat Hashem. Qu'on puisse s'en rappeler avec l'aide de Dieu. Alors, à très bientôt. J'espère que spirituellement, nous serons avec vous à Ouman. Amen, Bezrat Hashem. Amen. À bientôt à tous et merci à tous. Merci à vous. Merci à Au vous. revoir.